Vous voyez son Excellence, Monsieur Félix. Félix Antoine Tshisekedi. Oui, c'est monsieur là. Sur mon émission, on a passé merci. Non, il va voir ça. Parce déjà. Que. Parce... Mais je ne le dis pas. Nazolo ba oyote pona butuana. Mais nazolo ba yango parce que c'est une réalité en fait. Parce que Abeta qui c'était, il a dit je veux voir les femmes. Il a reconnu que les femmes fortes, intelligentes, dynamiques, basali. Ouais, il est le champion de masculinité positive, positive. Hein, le président de la République. Le fait même qu'il a reconnu ça, il y a un homme qui a dit Batouneti Bangaï, Nathalie Nalobi, je vais oser. Placer les enfants dans les familles, c'est plus enrichissant que Kokangabango, Nakatia Maison, ou Ezana Combo Orphelina. L'enfant grandit avec étiquette Moro Awa, orphelin. C'est différent. Azana Ndaku, Azana Papa, Moko Abengaka Papa, Azana Mama, Moko Abengaka Mama. Mwanana Akozala plus équilibré. Koleka Mwana Oyo Azana Katia Ndaku Bakomi Orphelina. Fidèles téléspectateurs, je pense aujourd'hui une question qui est très cruciale dans la scène politique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous rencontrons une femme qui fait la fierté de la République démocratique du Congo, une étoile, une lumière qui éclaire aujourd'hui la République démocratique du Congo sur la scène politique et tant sur sa structure qui est la fondation Sunshine, rayon du soleil. Aujourd'hui, nous allons parler avec cette grande figure qui est Madame Julie Baïziré Bahati. Avec elle, nous allons développer la situation politique et nous allons parler aussi de sa formation politique, nous allons parler de sa carrière, nous allons parler de sa fondation, de sa structure, quelles sont les difficultés et quels sont les objectifs et les perspectives à atteindre pour pouvoir impacter la société congolaise. Je suis honoré de la recevoir avec vous ensemble. Nous allons accueillir Madame Julie Baïziré Bahati. Comme promis, c'était question de parler avec cette grande dame, cette figure aujourd'hui qui est une lumière dans la scène politique et même dans la société congolaise. Tokobeta Masolo na Mama Julie et Bahati, présidente de la fondation et femme politique. Et Longonaye, Tokomeka un peu Kosolola, Kotali Sabino, comment est-ce qu'une femme relève aujourd'hui l'étendard de tout un pays. Madame Julie, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Tokobeta Masolo. Tokosolo là, parce que je me dis, il y a là qui vraiment très, très, très capital. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de la prouesse dans la société congolaise. Déjà, je mérite te demander. Ou qu'on s'est présenté dans la tenue sur le côté de l'Abisso. Ça fait pour moi un honneur et je vous en remercie. Allez. Alors, qui est Julie? C'est une question pertinente. C'est vraiment une question difficile. C'est plus facile quand quelqu'un parle de vous-même que Yomoko Oloba. C'est facile que Yomoko Betali Solo na Yomoko. Alors, Nakozala, bref,
Parce que, comme j'ai bien dit, na kokarakobeta lisolo na ngamorote, mais kombo na ngai ya mobimba, kombo na ngai Baïziré, eza kombo ya tata na nga, mon père s'appelait Baïziré, paix à son âme. Ok. Bahati, c'est mon nom. Et Julie, c'est mon prénom. Donc, okay. Je m'appelle Baïziré Bahati Julie. Je suis épouse et mère de 3 enfants. J'ai ma fille à 22 ans, mes 2 fils, 18 ans et 16 ans. Des pères et des mères. Des pères et des mères, bien sûr. Ça, c'est... Et surtout qu'aujourd'hui, yeah. c'est la grande question. La question est mon aîné, ça c'est vrai, de père et de mère. Je suis de Walungu, Sud-Kivu. Et mon père et ma mère sont de là-bas aussi. Nabotama Nabokavu. Bien que Nakola Nakin, mais je suis née à Bukavu. Donc, la question du père et de mère, je crois que c'est déjà résolu. voilà. Donc, alors, je suis fondatrice et présidente d'une fondation. La fondation s'appelle Sunshine. Qui veut dire rayon du soleil, éclat de soleil. Alors moi, je préfère appeler ça rayon du soleil. Je sais qu'on se dira pourquoi sunshine. C'est la grande question parce que c'est tout un problème. Pourquoi sunshine? Si je commence à vous expliquer le pourquoi de Sunshine, et la réalité, il y a Vinanga, où on a résumé en un mot. Le soleil, l'éclat du soleil, c'est un rêve pour moi. En même temps qui commence à devenir de plus en plus une réalité. Comme je venais de dire, paix à son âme, mon père est mort, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans, mon père biologique est mort. Et j'ai été... J'étais élevée par le grand frère de mon père. Un monsieur fantastique. Différent des autres. Un monsieur fantastique, je vous assure. C'est difficile. Je vous assure. C'est ça même qui m'a poussée à faire une fondation. J'ai vu la chance, la grâce que j'ai reçue. Il y a beaucoup de gens qui perdent leurs parents. Et aujourd'hui, je ne sais pas, soit ils sont chassés. C'est triste. Ils se retrouvent dans la rue, bazar, parce que Azamo a étiqué et comme il est stigma, Mokona est longue. Le lobby, il y a dans ma famille, parce que ce qui est dans la famille, il y a des comiques, il y a des malheurs. Alors, moi, j'ai eu un papa fantastique. Et de là, on essaie déjà de comprendre naissance, genèse. Il y a fondation, ça vient fondation. D'une réalité personnelle. D'une réalité personnelle. Où, et marqué par rapport à la vie. Oui. Et les lots, le lobby, non, par rapport à l'expérience, on en a bon, on a mon côté, mais on a un peu pour profiter aussi pour les autres. Déjà, on voit les raisons d'être et la fondation. Oui, les réalités de la vie. Et ça, là, qui que, dans le bas, qui, ngaï moukolo na kokola.
peu importe, nazalana mbongo nazalana ngote, mais elle a koko malambongo nangamoko, c'est-à-dire j'ai mes propres revenus, na okikoli ambonga morote. Je vais aller à la recherche de ces enfants-là qui n'ont pas eu cette grâce que moi j'ai reçue. Na pesa bango mwa mukie, na lakisa bango sunshine, na pesa bango éclat ya soleil. Alors c'est par là qu'est né en fait. Donc ce n'est pas eza eloko moko e bandi lelote. Donc eza eloko moko ezala ki nangai. Déjà na début na départ na yo. Mais aujourd'hui eloko ezala ki déjà l'internet. Ezala ki envie moko na yo koko la na yango et lelo Dieu aidant, vous êtes ce que vous êtes et vous avez réalisé aujourd'hui et ces rêves de créer une fondation. Et la fondation est là. Et là. Le début, c'est Isalaka toujours difficile, mais la fondation a combien d'années déjà? J'ai commencé tous les papyrus et tout le reste en 2014. Et Dieu aidant, en 2015, j'étais en ordre avec l'État, avec tout ce que vous pouvez penser, et j'ai démarré. Et quand j'ai démarré, mon objectif, c'était de, comme je vous ai dit, de venir en aide na salisa les désœuvrés, les défavorisés. Démunis. Démunis, c'est un terme que je n'aime pas trop. Employé. Parce que quand on dit démunis, c'est pas loin de dire un pauvre. Tout à fait. Alors, je peux être pauvre, mais je ne suis pas défavorisée. Vous voyez? J'aime mettre cette nuance-là, na lingaka ko sala différence wana, parce que oroki ko koma esika, omoni un pauvre, mais azana est pauvre parce que azana ma kokite. Mais aza défavorisé te. Un défavorisé, c'est quelqu'un qui n'a pas de soutien. Aza na place ya kotia ya kote le matin kote le melate. Voilà, tout à fait. Alors na tiaka na beta racete sur ça pour dire que je suis là pour les désœuvrés et les défavorisés. Et un abanda qui na, je ne savais pas par où commencer, il faut dire. C'est ça déjà des difficultés. Une question qui me venait déjà à l'esprit, ma difficulté dans la kinine. Les difficultés, c'était plus ma structure, hein, la Bisso, parce que avec le ministère social, j'avais un conseiller social, paix à son âme, Papa Ngandou, qui m'a vraiment guidée parce que je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai un frère à qui j'ai posé la question, qui m'a dit pour mieux faire, fais pas comme les autres. J'ai entendu na yo kindenge ozo loba, na moni oyo lingi ko sala. Si tu fais comme les autres, on retombe dans le même panier. Une très belle question qui vient déjà. Donc ramenez un peu votre propre touche. Voilà, parce que tout le monde veut faire les ONG, tout le monde veut faire ceci, mais quand ils le font, ils ont une idée derrière parce qu'ils se disent, je vais trouver des partenaires, je vais devenir riche, je vais faire ceci. Les gens le font pour d'autres, pas tout le monde, hein, mais quand vous voyez et que vous triez ces ONG-là, vous avez l'impression que bon, c'est une sortie pour se faire... pour se faire de l'argent, quoi. Ouais. Alors, moi, je me suis dit, na lobi te, na roki ko sala neti ba msusu te. Na ko sala oyo, ngayi na yebi na ligi na sala. Na loba a phrase moko, hein. Je crois batu, ba yebi nga so ba yo ki yango ba loba, ah, ça c'est Julie. Na loba a phrase moko, nga na sala eloko, rapport au salaté. J'ai fait des choses au yomoni na sali penda na telemeli yango, je les fais toujours par conviction.
quand je ne suis pas convaincue de quelque chose, je ne le fais pas. Il y a des gens qui disent, elle, tu ne peux pas lui faire des choses. Sur la salle, on sait qu'il y a quelqu'un qui peut être au salon. Donc, faire pour plaire. Je ne fais pas. Alors, juste pour ça, je me suis dit, je dois faire les choses proprement. Il n'y a aucune activité que j'avais. Il n'y a aucune activité à moroté avant que nous n'avons pas papier. Ça, c'était déjà c'est ça. Une première, il y a la difficulté au Koutanakinango. Oui, c'était d'avoir réuni tous les documents. Parce qu'à ce moment-là, même pour avoir la personnalité juridique, c'était un combat. C'était toute une histoire. Tout à fait. Alors, avec le monsieur, il m'a guidé. Bref, il m'a dit, il faut le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai suivi, pas par pas. Parce que je ne savais pas. Je savais seulement, Julie doit faire une fondation. À la longue, elle doit construire l'orphelinat. À la longue, elle va recueillir tous les enfants du monde. C'est le rêve d'un enfant, Julie. Comment est-ce que tu vas faire ça? Je ne savais pas. Maintenant, pour concrétiser la chose. Voilà. Et avec la grâce de Dieu, j'ai pu avoir une maison à Kinkole qui était comme une maison de passage pour les enfants qui devaient être placés dans les familles. Foyer, comme foyer. Voilà. Et là-bas, je ne gardais pas les enfants plus de 3 jours parce qu'il y a des enfants qui sont là, ils ne savent pas où le mettre, ils doivent passer par la commune, après ils doivent passer par tout avant de les placer chez des orphelinats qui sont reconnus. Et après, j'ai fait une pharmacie qu'on appelle pharmacie communautaire. Et tout ça, je faisais ça vers de ce côté-là. À Kinkole. Oui, j'ai fait ça vers Biboua. Biboua, donc dans la partie est de la capitale. De la capitale. Parce que il faut reconnaître quand même que il y a une masse. Et bien les Akuna, hein, Batupenza, Maseza, Ezakuna. La popularité, il y a ville, province, il y a Kinshasa. C'est ça, voilà. Alors, Malembe, j'ai commencé à. Na komi kota, la nalobi, ok. So qui na sali koto yo, il faut pena ça à côté kuna, il faut pena ça à côté kuna, il faut pena ça à côté kuna. Pour vulgariser. Alors, pour que Ezepanzana. Alors, na komaki na niveau moko boye, oyo na komi ko se poser ba question. Na lobi, ok. Mais bana oyo siko yo o bazo placé wana. Ya mikie surtout ya moins de 5 ans. L'avenir. Ozomo na bafandi na ba parcelle. Bafandi bazo se de l'autre côté. J'ai posé la question au ministère social. Dans l'école maternelle, pourquoi ici, le gouvernement n'a pas d'école maternelle? Ils disent que non. Ils disent que non, c'est régi par le ministère social. La Tuni, c'est plus le privé. Bon, je regarde, je dis, ah, mais cette bonne-là, la femme de ménage qui va faire la nounou, est-ce qu'elle a l'argent si elle a un enfant de moins de 5 ans pour mettre à l'école maternelle? Une très bonne question. J'étais à ma tétée chez un ami pasteur. J'étais à ma tétée dans l'église d'un ami pasteur où on avait des entretiens à faire. Et j'ai commencé à être distraite. Pourquoi? Parce que j'entendais la voix d'un enfant. Un enfant qui ne pouvait pas avoir plus de 3 ans. Et vous sentez dans la voix que ça, c'est un bébé. Et qui chantait. Et le bébé chantait. Mais la chanson que le bébé chantait, elle était tellement, l'enfant était tellement éloquent. Elle savait articuler les mots. Que finalement, j'ai compris. C'était une chanson d'un musicien, je ne vais pas citer le nom quand même. Ouais. Et l'enfant chantait. Et c'était... Vous connaissez au moins l'extrait? Oui, l'extrait. C'est la chanson disait, dors, je vais te bercer, je vais te dorloter, laisse-moi chanter pour toi, des trucs comme ça.
Avec une mélodie, si possible. Hein? La mélodie, non, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vraiment. À chaque fois que je pense à ça, je ne sais pas chanter la chanson. Peut-être que vous pouvez connaître la chanson qui dit « Laisse-moi te bercer, te faire dormir », des trucs comme ça. Et l'enfant chantait jusqu'au point où j'ai commencé à être distraite. J'ai dit au pasteur, attendez, ça c'est un enfant. Il dit oui. Il dit, mais cette chanson-là, c'est comme ça ou bien l'enfant, il met ses propres mots. Il dit, mais ses propres mots. Ce ne sont pas des mots pour un enfant. Hein? Parce que même Atakutu, Nzembo n'est pas adressé même à un enfant. Tu peux le sentir. Na telemi na comme que la fenêtre Nathalie moi ben dans ma tête tu peux regarder à partir d'une autre personne. Nathalie c'était un enfant qui est pas habillé afin de na lupangu et na lupangu wana elle était tout seule. Na se na mabela osaka na mabele azoyemba azobina na ina se. Ça m'a donné des larmes, je ne savais plus me concentrer. Je me suis dit moi na mama ya moi na nazawapi. Le pasteur qui me dit, ah, il faut zala. Maman n'a pas été car elle a coin kuna. Donc la maman est partie travailler. Comme elle ne peut pas amener l'enfant, l'a laissé dans la parcelle. Il y a des barres tout autour. C'est tout ce que l'enfant écoute. C'est ce que l'enfant répète. Il chante. Je dis toujours, la foi vient de ce qu'on entend. Ouais. Alors, ce jour-là, naibisi pasteur, au moment où il est na okay ko sa l'école maternelle. Et na oké kozwa bana ya bongo na ko tia bango wana ba mama ba ye ba déposer mwana ba ke musala soki ba zongi ba récupérer mwana parce que c'est ça l'avenir du Congo au moins biso yonanga tozwa ba baoba tout ce tengami ba bongo ça se soute c'est au plus petit de venir sauver la vie ba ben biso to bonga soute. Toi, génération, moi, tu es ton bébé, Sili, tu es ton léki. Moi, quand on a vu ça, moi, sous la conscience, tu as récupéré Bango, Banana. Bango, ndé à venir à Congo. Mais on voit déjà en vous la prédilection des enfants. Donc, c'est. Eza et l'eau, comme Eza, au moins, à Katina. Mais pour savoir, but et fondation, les amis. But et fondation, quand j'ai commencé. L'objectif principal de la fondation, c'est accompagner les veuves, les orphelins et des personnes défavorisées sous toutes les formes. Pour tout à l'heure, parce que déjà, on voit cet aspect et aspect-là. Il y a. Être proche, prédilection, déjà avec l'objectif, il y a fondation, ça montre à ce que aujourd'hui, ceux qui sont totalement là, Nakati a en République démocratique du Congo, la fondation est belle. Vous reconnaissez quand même que la fondation est belle, la ONG est belle, chacun dans le secteur, dans le domaine, dans le domaine. Mais aujourd'hui, rayon du soleil. Spécificité, mais mes amis. Rayon du soleil et loko ya motuya, c'est sa spécificité en français, non? Oui. Il y a rayon du soleil. Simba, nakata rayon du soleil. C'est que rayon du soleil, ezali fondation oyo, ezo pesa espoir, place espoir ezate. Eza fondation oyo, et simbi ba mama. Il y a veuve. Et sa fondation Oyo et Simbi Bana Yaba orphelin. Et sa fondation Oyo et Simbi Bana Yaba orphelin, Ndenge Tozo Yoka Yangote, mais et Simbi Bana Yaba orphelin, na style Moussousou. Na Zana plus de 75 enfants. Déjà, oui, Baza réuni na Katia Fondation. Baza na Katia Fondation, mais Bazali, Bango Nyon, so Baza na Banda kuna Bango. Baza placé. Na yip sa kiyo ke, na Zala ki na
papa Ngando, il est mort, oui. Papa. Et on est quoi accompagné yo. La démarche de la fondation. Oui, alors bana oyo bazai ko placé. Misusu bazaro zong sa bango na ba famille. Arokele pa mama Kulutu to mama Leki. Mais er suko to sa la suivi. Bomona ke bana wana. En fait, famille ezui bango kaka po baebi ke mama Julia ba dehors pe sa ba mbongo moko boye. Ya kolia po ya ko sa la boye me bana baza suivi te. Ok, donc c'est, si tu veux faire comprendre à mes téléspectateurs, la fondation œuvre dans le sens où elle a une maison, quoi. Maison, il y a hébergement, il y a bana. Donc, à installer la cabane dans la famille. Voilà. Okay. C'est-à-dire réinsertion dans la société. Alors, pour le moment, pour na éclaircir un peu, c'est un travail que j'ai. On a banda qui n'a pas papa wana. Et papa wana kei, ça faisait que yenda za ki neti centre parce que c'est yenda za ki conseiller na ngai social. Ouais. Et a kei, ce qui s'est passé, c'est que il était même difficile pour nanga pour na récupérer données et bélé parce que bana na ye ba salaki bazala ki penza na aide moko makasite ponanga pour na ko récupérer ba biloko bélé, ce qui fait que pour le moment je travaille directement avec maintenant des orphelinats qui existent parce que ngamo kona na tongité. OK, alors nazana école eza kombonango les petits tournesols. Le petit tournesol Ezali Nanjil na quartier 4. OK. Alors, le petit tournesol na bandaka yango oza année auto bandeza la 4e génération. 4e génération. 4e année. Pardon, oui. Eza 4e année. Na banda petit tournesol avec esprit wanakaka. Ndena lobaki mama akokoka kufuta école maternelle te bana ya mikie wana il faut na zwa bango. L'idée c'était quoi? L'idée ezalaki na sala ba maison, c'était pas faire même une école, c'était faire des maisons. Hein, j'ai trouvé une maison na coin moko boye m susu pepe ya wenze to na coin moko boye na ba ndaku ba place oyebi que eza na ba foule belé et ba travailleur na baza ba travailleur ba main d'œuvre ba manœuvre ba travailleur de maison ba jardinier ba oya ya ba revenu moko ya mukie na sali ba maison wana de façon que bana ya mikie wana bazo ya kotika bango ba parents ba ke musala pour na ko éviter moi na ayemba mon bébé je vais te faire dormir et tout ça. Alors pour une petite précision, naza na partenaire te. OK, hein, je ne le dis pas parce que nazo pour na benga partenaire nazo le bango pour na la ki ça que ça fait na ba sens belé parce que ni simplement que ce qu'on avait longue mon bataille. Oui, c'est vrai. Donc, bien sûr qu'il y a la volonté de faire, mais ensemble ko réaliser ma projet Isali. Oui, c'est vrai. Mais na lo biango pourquoi? Na lo biango parce que nazo kende na rythme ya makoki na ngai. OK? Donc est-ce que vous avez déjà fait une action concrète? Peut-être une descente. Action. Une descente sur terrain, peut-être pour voir les enfants. Action concrète, il y a fondation. Mais, oui, oui. Attends. Des actions, il y en a. Et ça est belé. J'ai un répertoire Mobimba. C'est tout ce que j'ai fait en fait. C'est tout ce que ma fondation. La première action. La toute première action que j'avais faite, c'était Ezalaki action. Il y a Nassala Kamukaka, le papa qui est parti. Ezalaka na Noël, je crois. Na Noël. Alors, qu'est-ce que j'avais fait?
c'était aller voir partout où les enfants qui passaient par la maison de Kinkole. Place Batia Kibango. C'est là que je me suis rendu compte que Banawana, en fait, baza prise en charge neti ngana kanisa kité. Certes, bazongi na bandaku, mais na bandaku o bazongi bazaka neti ba chenon manquant. Tu vois? Bazaka en évidence quoi. Tout à fait. La tache à noir, comme les enfants mis à part. Voilà. Alors, c'est là que j'avais pris la décision de répertorier Bana ou Nakokoka, na saye la rabango ba rentrée scolaire, dans la zubango en charge pour na école. Ce n'est plus question na tinda rambongo na famille, c'est question maintenant de les inscrire. Ba copé sanga billet de vacances, j'ai une coordonnatrice à Kozoyango, à Kosale la état de besoin, on va acheter nous-mêmes. Biso moko toké na école to futi ba Minerval. À l'époque avant que et comme à gratuité. Biso moko toké to tikeli bango, ba sac ya loso, ya fufu, ya semoule, to tiki ba. Donc, na ba famille sika bazali. Na ba famille sika bazali. Est-ce que danger ça te pour que ba famille on a pas utiliser ce que vous avez oui, pour les enfants? Oui, c'est pas un problème parce que si on amène un sac de riz, c'est pour toute la famille. On va pas dire on va préparer seulement vers mon ko pour ba lier sa mwana wana. Mi bango ba bana msuba fanda nzala. Eza biloko akolia on l'amène pour la famille. Et on doit s'arranger tous mes mamois quantité moko ko et kokoka consistant. Alors, j'ai commencé à faire ça un moment. Et à la chaque deux mois, nazaï komima. Mais bana ba koma ekoko la. Et komi koko ma ebeli. Alors, j'ai préféré sikoyo na se limiter na niveau académique. Je me dis seulement pendant les fêtes que je peux amener à manger, mais au moins je sais que nazo suivre évolution la bango académique. N'était par exemple là nautico somba ba la biloko ya ba rentrée ya bana yango pour préparer déjà pour préparer la rentrée à l'année scolaire na école nanga moko naza au moins la 48 à placer. J'en ai au moins plus de 60. Mais est-ce que, Maman Julie, c'est un peu difficile parce que les lots, avec les fondations, Oyo Bazali, na, bah, hébergement, na bango, bah, na, bah, structure na bango bien établie, Oyo, bah, suivre de plus près la situation, peut évoluer, il y a bateau, Oyo Bazali, quoi encadrer, que une différence, on a moni, na fondation, Rayon du Soleil, Ezali, vous placez. Donc, et c'est un peu difficile que hein, faire qu'Ozalanabana ozo suivre bango na ba structure na yomoko na qu'Ozalanabana ozo landa bango na ba structure ya bato. Et ça un peu je crois que naïf sakio que ngai na kufisa ki papa na 12 ans. Na kenda na structure té. Je suis allée dans une famille où j'ai été accueillie. J'ai grandi. Si tu vois mon père aujourd'hui, au Moninga, tu ne connais tellement que ce n'est pas Batouke. C'est ton père. Mon père maintenant, le grand frère de mon père. Tout à fait. Ce qu'on monie, au Moninga, et comme tu es au Canada, tu es arabe. Oui, que ce n'est pas le père qui m'a engendré. Moi, si qu'on a Zolinga, banana pe, sur le 10 que je vais placer, à ta 6. Bazoua bonheur wana. Placer les enfants dans les familles, eza plus enrichissant que kokangabango na katia maison ou eza na combo orphelina. L'enfant grandit avec étiquette moro awa orphelin. C'est différent. Azana ndaku. Azana papa moko abengaka papa, azana mama moko abengaka mama. Mwanana akozala plus équilibré. Koleka mwana oyo azana katia ndako bakomi orphelina. Alors donc, moi c'est ça l'idéal que je voudrais komema. Tout à fait.
votre touche particulière. Voilà. Retourne. Les Camerounais n'y a motuya. Rayon du soleil à Zanango. Au Batumusu Subazo Salaté. Mais manière y a qu'au recenser y a qu'au soit y a qu'au soit ban. Et ça les macalolenga nini. Parce que bah sous peut bah mituna. Bon peut-être comme na Kinshasa ah ils allaga. Bon y a aza peut-être na bande konaie. Oh y a bah pesa kaye bana. Nazo kabanaté. Bon et ça oh tout le monde na Kinshasa. Hein? Je parle par rapport à la réalité à la ville province à Kinshasa c'est quoi tous allés. Parce que bah tous bah monsieur bah ah bisou peut-être y na bah ka. Bon on est ni batala bah bisou tes c'est à dire bah toi na bah fondation na bah zala toujours na bah tu na bango bah gina bah oui pour ça la magam na bah on a bah tu na bango. Oui, oui. C'est dur, il y a peut-être il y a baba na to il y a ko yeba souci pour na ko ramener moi na sale makandenge. Oyebi je voudrais tout ça la deuxième émission nganayo. La deuxième émission tout ça nganayo et kozala sur terrain. On va aller visiter quelques enfants. Quelques familles. On va aller visiter l'école. On va aller visiter l'orphelinat au na d'écoute nazao ba fona kende kotala bango kuna dans la semaine ici avant la rentrée et tu as remarqué que à ta mon côté na yeba ni dadon ni dem donc na ofanda ka aboye au mon na ka ba beninga Da Julie, parce que tout le monde qui me connaît m'appelle ouais, Da Julie. Ouais, c'est l'appellation. Da Julie, Da Julie. Oui, mais tu Dada. Tu sais, il y a moi l'amour où boyé, pareil que babo qui boyé, bati qui boyé, boyé à sa place boyé. Ah, mon bonsoir famille n'a été oh boyé, n'habi non. Avec à l'époque avec le papa, tozala qui n'a pas travail, bah nani social, oh yo, bah ça on quitte le terrain, bah ça dit bah investigation, ils vont trouver la famille. Les enfants, on les remettait juste dans la famille. Il y a Bango. Maman, les Kiarozoa, Koko surtout, les Bazarozoa souvent. Ou bien, au moins, on a identifié une famille. Moi, je suis là, Kuna, Koko, Moura, Zalarana, Bananaye, Maman, Koufaka, Atike, moi, Nana, Koufa, Atike, les Bana 5. Tu vois, il y a des familles aussi comme ça que j'y vais, je visite. Tosololi, Nathalie, Naibisi, Maman, Anganazoaka, il y a Bana Miki à moins de 5 ans. On a. Comme ça, Bangotina Agia scolarité. Je pense que avec la technique me fait signe déjà pour Nathan parce que télé dans la Galika Mbangonga. On va peut-être voir encore pour des prochaines émissions et on va continuer parce qu'ils sont très sensibles. Si mais je vous demandais quand même de prendre une petite chose parce que on a parlé des choses Oyo et touché mon thème et sali moi pas si mais on va quand même prendre quelque chose. On va boire quelque chose. Merci. Santé. Juste pour que maintenant, tout faire voir dans les spectateurs, à part, en dehors, il y a cause à la présidente et à la fondation, mais elle est aussi femme politique. Femme politique, Oyo. Elle-même, na Koko Lanaye, elle était une lumière, une étoile, mais. Elle se voit déjà que des histoires, des rêves, des réalités, tout ça, ils ont comme ma réalité. Yango, Tokobetasukoyo Masolo, Maman Julie. Oui, papa. Femme politique. Ah! Et ça kilo, hein, parce que aujourd'hui, on connaît la classe politique et la République démocratique du Congo, elle est ténue. Était vraiment pas banami bali autokoloba les hommes ou bah simbi classe politique qui a République démocratique du Congo ils ont vraiment un pourcentage à mon qui est na côté à banabasi parce que entrer en scène politique pour nabasi est un peu difficile mais vous avez accepté au moins de porter cette casquette femme politique ah. C'est très dur wende na kiti mutu casquette en a kilo hein Et Zali Kilo, pourquoi les choix d'entrer dans la scène politique? Moni motuno tuninga. Au soupiré mingi. Makasi. Soupiré makasi parce que la Julie d'avant, il y a 2 ans, te dira politique n'a aussi mbatté.
Pourquoi? Parce que Erozo mona ndenge politique olobi na aussi mbaté. Mais je vais quand même dire une chose. Naibi que bon na koza la critiquer pour na likam na koloba. Mais c'est une réalité. Vous voyez son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Oui, c'est monsieur là. Sur mon émission, on a passé merci. Non, il va voir ça. Déjà, parce que pour la télévision, c'est même na Katia présidence là on salue maman Nicole Boacha. Donc c'est elle vraiment oyo et Dirk Abia chef de l'État. Donc Yé pendant des Congolais et Kotaga pas chef de l'État et on a des feedbacks parce qu'on parle. D'accord. Mais je ne le dis pas nazolo ba oyote pour na butwana. Mais nazolo ba yango parce que c'est une réalité en fait. Parce que Abeta qui c'était. Il a dit je veux voir les femmes. Il a reconnu que les femmes fortes intelligente, dynamique, basali. Ouais, il est le champion de la masculinité, masculinité positive, positive. Hein, président de la République. Le fait même qu'il a reconnu ça, il y a un homme qui a dit batune tibangai, natali na lobi, je vais oser. Parce que, je vous ai dit, je fais quelque chose par conviction. Parce que je sais que tout ce qui ne vient pas de la conviction, c'est un péché. Ça, c'est Julie Chrétienne qui parle. Parce que c'est ma base, hein? C'est ma fondation même. Okay. La chrétienté. Votre source. C'est ma source, c'est ma fondation. C'est voilà des rochers, nanga ilibanga nanga na telemela. Eza Yesu. Nga lelo ce qui nazali. Banda ko na mosu c'était. Ate. Nga ce qui lelo nazali. Est-ce que vous vous rendez compte que même quand je n'étais pas consciente de la chrétienté qui était en moi, Nzambe azako batelanga. Il y a un lelo na ebité. Qu'est-ce qui va faire que na lomo na libanga wana na ke déplace mususu. Je demanderai juste 5 minutes. Merci beaucoup pour nos 5 minutes. Dans ces 5 minutes, la première réalité, femme politique par conviction en République démocratique du Congo, parce que aujourd'hui, vous vous êtes dit en vous qu'il faut aussi au même touche na yo na scène politique en République démocratique du Congo, c'est le travail avec le cœur. Parce qu'on a besoin de quand on parle de hommes d'État, on a aussi besoin de femmes d'État. Et aujourd'hui, vous êtes dans quelle classe ou dans quel parti politique? Oh, mais je vais le dire haut et fort. Je suis maintenant Nazali na UNC. Union pour la Nation Congolaise. Voilà. Le président Vital Kamerhe. Docteur. Le docteur. Yeah. Vital Kamerhe. Donc. NASA na UNC et je vous dirai pourquoi. Dans quelques mots, parce que Namoni tant Ezali Soso. Dans quelques mots, pourquoi les choix je suis à l'UNC? NASA na UNC parce que UNC, quel que soit ce que les gens peuvent dire, mais Nakatia UNC tu ne disparais pas. Nakatia UNC au confondre t, on te reconnaît. On te voit. À différent de la partie politique, Moussousou, il faut qu'il y ait un tel parce que a apporté. Il faut aller à Kombo Mokoboye, il faut aller à Moutouyaboye, il faut aller à Kamaradi Aboye. Est-ce que Yébi Kenga n'a pas eu un UNC, mais. Vous avez un mentor, tu si, bah, attends. Tu as un cas politique où il y a un mentor. Ah, où est-ce que tu as un terrain de lutte?
faut ça la carte à menteur mais ah quoi ça au tiers du colo A au tiers du colo A tu la bombe la gagne la tout na menteur ça n'est la bombe je présente ça pour na papa il faut que ben passe ni au tiers du colo passe ni au tiers du colo T aux hommes alors na côté na UNC le lo nazali cadre na UNC je suis directrice à l'école du parti pour des questions sociales. Tout à fait. Parce que c'est déjà une chose qui c'est la chose que j'ai fait. Ils ont déjà na Katinayo, donc on ne peut pas s'étonner. Et pour des questions sociales. Et je suis membre platinum de l'UNC. Ceux qui connaissent, c'est que c'est membre platinum. Je suis membre platinum de l'UNC. Na sala kango par ma propre volonté. Personne ne me l'avait demandé. Personne ne m'avait recruté. J'ai fait un choix. J'ai étudié tous les partis politiques qui existent. Nazaki n'a mis balé. N'a mis balé wana. Côté à mon côté, parce que vous avez déjà. C'est ça. Nazaki n'a mis balé. N'a mis balé wana. N'a pesé en gros. Le monde est choix. Nazaki boue penza. Au moins, hein? Au moins, Nakiti boue penza. La préserver parce que c'est tout côté dans le terrain on a les terrains où il y a très glissant parce que politique est dans la ndenge bah politique va le bagage à intérêt peut-être place au Kimiwana place peut-être moi poster au Bima Bobi non mais les lots tenu tout iba parce que les temps ils ont permettre mais sont vraiment t parce que tu commis presque dans tout cas pourquoi politique bah ambition politique non les amis ok ça c'est une très bonne question c'est la dernière ou bien bon parce que pour naïf bandit n'en répondra pas na pesio na baxilo na baxika ka 1 minute en dehors ya réalisateur ba ko kamba bi ok d'accord alors na ko lo bayango na ndenge ya mokuse ambition nangai lelo c'est d'aller aussi loin que je peux aller pour la nation congolaise Nathalie ndenge kolobela natikeli oloba sous mon moke ebongo na botuna question moko d'aller aussi loin pour la nation congolaise. Alors la meilleure façon de commencer c'est le parlement. Ok, c'est la meilleure façon de commencer. Pourquoi le parlement? Parce que c'est là que je vais pouvoir dire, je vais pouvoir apporter les besoins des citoyens. Pour na et comment na gouvernement. Na gouvernement et puis na mokonzambo kayoka. Voilà. Et puis non seulement ça. Je dis toujours que Nazaraka la voix de 100 voix. Na lobakango et à son âme chéruba. Na lobakango mais na yebi que ce qui nazo lobakara ndé nazo lobaboyé ngaida Julie na fondation wa. OK, c'est bon. Batobe ba oyokaté. Mais en na koko ma place wana. Alors, Yangoana n'a décidé qui? C'était une décision très 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 ambitieuse. Yako Kota Nakatia Parlement. Nazo Meka. Nakota Nakatia Parlement. Donc vous avez devant vous, avec, monsieur. C'est dit avec beaucoup d'humilité, là je vous félicite. Vous avez devant vous une candidate à la députation nationale. La circonscription, Nini. La Lukunga. Ah! Ok, 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 République démocratique du Congo. Parce que ya ba poignonso la République démocratique du Congo ya makasi ba vanna Lukunga. Est-ce que bitumeza facile te? Bitumeza facile, oui, c'est vrai, je reconnais. Peut-être que tu na changu, na moamba, mais Lukunga. Lukunga, je suis nazali natif ya Lukunga. Je ne pouvais pas... Bon, si je dis natif, c'est parce que na koli na Lukunga.
na koli na lukunga na ba na donc naza mona yupen. OK, proximité et proximité na yona population ezali ndenge ni parce que to koyeba pe température et na population ah Tengana mona qui baza pro ouest peut-être na showbiz j'avais vu quand même l'engouement mais je sais pas parce que si parce que popularité est dans la un peu compliqué est-ce que c'est par cœur ou bien par fric je ne sais pas donc si là, je vous dis aujourd'hui que c'est en fait ba maman na ba jeune au baza na katia fondation nde ba pesanga courage na kota maman zela ranini maman zela ranini. Ça fait 2 ans. Bah, insiste à maman. On a 23 ans, tous osez là. Même si mon gars est un parti politique à ta morote. Si qu'on a maman, attends indépendant, t'auras ok. N'avons pas été toko tala magamne ko pousse na rendez-vous le 20 décembre 2000. Du tout, maman Zoko. Et bien, le Kunga, je pense déjà rendez-vous est le 20 décembre 2023. Votre candidate, maman Julie Azali Awa. Je pense que le Kunga est trop battre. Bon, na optimiste, optimiste par rapport à la situation parce que il y a ceux-là qui travaillent avec le cœur, il y a ceux-là qui veulent donner, Otokoloba motema pour la population congolaise et non na bato ou ybayaka pesi polo a pesi bassin a pesi liputa après 5 ans a kei donc a yibibino suprématie a kei pour kazunge la bino encore après 5 ans a kosa les sous na bassin liputa y a 10 000 francs poisson donc et ça un peu difficile mais malamo pour na venir. La République démocratique du Congo. Pour l'avenir, il y a circonscription, il y a binonio sur le Congolais, Bissika Bozoami, parce que c'est le temps, il y a 2023, Oyo, Ndekopé, ça encore 5 ans, Ndekopé, ça encore souffle pendant 5 ans, où ils allaient Koya, Nabanza et Maman Julie Tokomina Souka, parce que le temps, ils ont parti de 30 secondes, message ni au lancé la population congolaise, où ils ont acquis les Bakou, il y a Kolandayo, Namokolo Alelo. Caméra Noyangoyo, ou qu'on s'adresse à la population congolaise Mobimba avec ton cœur dans 30 secondes. Alors, na mingi penza ya kolobate, et puis en même temps, pe nazana mingi ya koloba. Mais oyonga na kosenga population, oyonga na kosenga population, ezali que na ba élection oyo ezokoya to voter cette fois-ci na motema na biso pe na mitu na biso to voter na libumuté vote ya libumu esuka ra place mususu mais vote ya motema na ya mutu ekomema biso musika. Tomoni mingi, to souffrir mingi. Il est temps to changer un peu. To mekana nou ndingi sa yasika. To meka façon de faire yasika. To tala pe soki ko pesa biso nini. Po wana mususu wana et simité. C'est tout ce que je peux dire. À tout regard, merci Mama Julie. Na banza été to rokutana encore. Pour te informer population na numéro mosusu mais pour le moment ils allaient coup de pouce les lots yona femme congolaise déjà je vois moto azali mokumbi train ya masculinité positive ils allaient bongo le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo je salue respectueusement avec beaucoup d'honneur chef de l'État et beaucoup d'honneur aussi à la distinguée première dame, Mama Denise Nyakeru. Merci beaucoup parce qu'on était ensemble aussi avec Vernissage Yaika de Young. Déjà, je vous dis que aujourd'hui, Mama Julie, vous êtes une femme. Tout ce que vous faites,
vous êtes une mère de la nation. Et moi, je vous dis déjà bonne chance. Merci. Et que tout ce que vous allez faire au nom de la population congolaise, ensemble avec nos téléspectateurs, nous vous souhaitons plein de bonnes choses et la réussite pour les élections de 2023, le 20 décembre. Merci, merci beaucoup. Et... allez-y. Que Dieu lui-même prenne charge. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, Balangi Nyos et population congolaise Nyos, de partout où vous êtes, qui est Kolanda Biso, tout le monde est en train de se faire. Restez branchés et restez connectés.